Ravi de vous retrouver sur le plateau TV des JFR 2019, les journées francophones de la radiologie. Mon invité, c'est Myriam Ejlali-Goujon. Bonjour. Bonjour. Vous êtes neuroradiologue à l'hôpital Sainte-Anne à Paris et vous allez participer cet après-midi à une session junior-senior consacrée à l'imagerie en neuro-oncologie. Quelques mots sur cette session et qui va la modérer ? Alors, elle est organisée et modérée par Samy Amari. En fait, nous sommes plusieurs à participer, radiologues et médecins nucléaires, autour d'une thématique neuro-oncologie, ORL et oncologie. Alors, c'est une session intéressante parce qu'elle fait appel à deux compétences différentes. Oui, c'est effectivement le but de cette session. Donc, en fait, il y aura des radiologues et des médecins nucléaires. Nous avons actuellement une formation en France qui est différente, deux DES séparés. Et pour le bien des patients, on a besoin d'avoir ces doubles compétences qui se posent à un moment donné sur le diagnostic final d'un patient, avec une compétence imagerie qui implique souvent de l'IRM et une compétence médecine nucléaire qui s'adosse et qui implique des débats entre nous. Ce qui est très intéressant là, c'est qu'on va également avoir dans le groupe des internes cette double compétence avec des internes radiologues et médecins nucléaires en équipe qui vont réfléchir sur les sujets qu'on va leur poser. Alors, vous nous parlez de compétences. Est-ce que ça permet d'aboutir à un diagnostic final juste et comment on parvient à aboutir à ce diagnostic final ? Oui, alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a énormément de développement dans les deux orientations, et imagerie radiologique en IRM et médecine nucléaire. On est maintenant à un moment où se développe, par exemple, la TEP IRM. J'ai la chance de pouvoir travailler avec le professeur Vincent Lebon sur Orsay, au SHFJ, sur ces machines qui sont, elles, hybrides, où on va pouvoir acquérir en même temps une imagerie IRM et une imagerie de médecine nucléaire. Et pour interpréter ces imageries hybrides, eh bien, on est deux. On est radiologue plus médecin nucléaire, ce qui permet également d'échanger et d'avoir un duo performant sur les réponses où seule une seule imagerie ne répondrait pas. Donc quand on est limité, parce qu'on n'arrive pas à conclure en IRM malgré tout l'arsenal de séquences dont nous disposons, on passe à ces imageries hybrides, à ces doubles compétences, et on arrive à un diagnostic plus avancé alors qu'on ne pouvait pas conclure auparavant. C'est vraiment impactant pour le patient, c'est ça notre but, c'est l'impact pour le patient, être capable de dire est-ce qu'il y a une récidive tumorale. Est-ce que c'est une radionécrose, un aspect post-thérapeutique sur lequel il ne faut rien faire ? Ça change complètement la donne pour la prise en charge du patient. Alors ce ne sont pas tous les cas, mais c'est uniquement les cas sur lesquels on n'arrive pas à avancer si on n'associe pas cette double compétence. Et c'est rassurant et pertinent aussi pour les professionnels de santé ? Oui, complètement. C'est-à-dire que si on n'avait pas cette possibilité-là, la seule chose que l'on pourrait proposer, c'est un contrôle dans le temps. C'est de dire, aujourd'hui, je ne peux pas conclure. Je revois le patient dans 2 mois. Sauf que si c'est un processus tumoral sous-jacent, on perd 2 mois par rapport au traitement. Donc on se sent beaucoup plus utile en étant capable de fusionner nos compétences sur un même dossier patient, dans des cas qui sont extrêmement choisis. Terminons par la neuro-oncologie. Quelles sont les avancées dans ce domaine ? Alors, ce qui est intéressant actuellement, c'est que depuis 2016, il y a une modification de la classification OMS des tumeurs. Cérébrale qui est proposée, qui implique une partie d'analyse anatomopathologique plus une partie génétique. Dans cette classification n'apparaît pas encore l'imagerie. Mais tout ce que l'on fait, nous, c'est justement d'avoir des marqueurs d'imagerie en lien avec des marqueurs biologiques et génétiques pour, in fine, pouvoir avoir un rôle dans cette classification-là, pouvoir, dès l'imagerie, savoir orienter sur le type tumoral. On avance grâce aux différents types d'imagerie IRM, principalement, la diffusion, la perfusion, la spectroscopie. Il y a énormément d'avancées. L'intelligence artificielle a un rôle à jouer là-dessus également pour nous permettre d'avancer dans ce qu'on appelle la radiomique, donc tout ce qui est analyse du pattern de rehaussement, analyse de l'imagerie IRM. Et s'adosse à ça tout ce qui se développe d'un point de vue médecine nucléaire, notamment avec des nouveaux radiotraceurs qui permettent d'être plus spécifiques et plus sensibles sur le type de lésion à détecter. Parfait. Et la suite, c'est cet après-midi dans cette session senior junior que vous allez, à laquelle vous allez participer. Merci d'avoir répondu à nos questions. Merci beaucoup. Et à très bientôt sur le plateau TV des JFR 2019.